Selon moi, ce trafic de cocaïne existait depuis les années passées, depuis les présidents qui étaient passés. Ce n'était pas à l'heure actuelle. Parce que le gouvernement actuel, lui, ne veut pas des trucs de favoritisme. Bon, des trucs qui n'ont pas du tout le pays. C'est pourquoi ils font tellement ces gens de contrôle pour attraper les cocaïnes et autres choses qui ne sont pas bonnes pour le pays, selon moi. Ce phénomène de trafic de cocaïne existait déjà. Et c'est grâce à la clairvoyance de notre actuel président que cela est en train d'être démasqué. Si cette pratique est en train d'être appréhendée en ce moment-ci, c'est alors un phénomène qui existait depuis longtemps, mais c'est grâce à la vigilance de l'État que ce réseau est en train d'être démantelé, bien que ces pratiquants cherchent toujours à perpétrer leurs actes. Les arrestations de ces derniers temps montrent la ferme volonté du gouvernement qui veut en découdre avec ces hors-la-loi, ce qui n'est pas le cas des régimes précédents. Bon, dans cette situation, je peux dire qu'il y a deux réponses. Parce que d'une certaine manière, on peut dire que c'est grâce à la vigilance du gouvernement, aux dispositions qui ont été prises, qui nous permettent d'arrêter ces gens de stupéfiants et toute autre activité illicite qui rentre dans le pays. Mais en même temps, on va dire que si déjà les gens se permettent d'amener les drogues, c'est que d'une certaine manière, ils le faisaient dans le pays. Ça n'existait pas. D'un coup, on ne peut pas se lever et commencer à voir les drogues venir. C'est parce que ça transitait par le port que ça vient toujours. Si on n'a jamais essayé quelque chose, on ne peut pas se permettre d'envoyer des tonnes de drogues dans le pays. Selon moi, tellement qu'il n'y avait pas quelqu'un pour dénoncer tout cela auparavant, et c'est peut-être à l'arrivée de ce régime qu'il y a plus de rigueur, plus je ne sais pas quoi dire, mais c'est des trucs qui existaient depuis dans le noir et personne n'était prêt à s'y aller. À mon avis, je pense que le régime actuel est en train de travailler pour pouvoir démanteler ces réseaux parce que ça pouvait passer sans que la sécurité au niveau du pays ne soit informée. Et que personne aussi ne soit informé. Ça peut aller vers d'autres pays de l'Interland. Mais je pense que le gouvernement actuel est en train de mettre tout pour pouvoir démanteler ces réseaux. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.